comme notre nouveau PDG Yves Lévy nous fait l'honneur d'être là et que, évidemment, son emploi du temps, qui est immédiatement chargé avec ses prises de fonction, l'obligera à nous quitter vers 10 heures, on va lui céder immédiatement la parole pour cette introduction en le remerciant d'être là. Merci Hervé. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour cette première réunion annuelle du comité d'éthique. Et puis, en cette année du cinquantenaire, je crois que très brièvement, il est quand même important de montrer l'implication de l'Institut dans la réflexion éthique. Il y a à peu près 40 ans, un des directeurs de l'INSERM avait proposé au ministère de la Santé déjà de mettre en place ce qu'il appelait une couverture morale. Alors, est-ce que je peux peut-être baisser cela ou ça va créer des problèmes techniques? You are not sure, hein? Me too. Too late. That's okay. Thank you. Et de mettre en place ce qu'il appelait une couverture morale des essais cliniques qui prenait un essor à ce moment-là et au niveau de l'INSERM. Et ce comité de réflexion sur les protocoles cliniques a été pionnier puisqu'il a été précurseur du comité consultatif national d'éthique qui a été mis en place, comme vous le savez, par François Mitterrand en 1983 et sur proposition de Philippe Lazard. Depuis, à l'INSERM, il y a eu cette réflexion, cette construction d'une réflexion éthique, mais il y a eu aussi un certain nombre d'autres instances que vous connaissez et qui ont été, dont le comité d'éthique de l'INSERM, qui a fait suite au comité Hermès, éthique en recherche médicale et en santé, qui avait été créé en 2000 et qui est devenu le comité éthique de l'INSERM sous l'initiative d'André Sirota. Alors le questionnement éthique et les discussions que vous allez avoir aujourd'hui sont évidemment fondamentales. C'est un travail extrêmement important qui doit accompagner le travail des chercheurs, mais qui doit aussi accompagner notre positionnement au niveau de la société pour deux raisons, mais extrêmement simples. Et excusez-moi de la simplicité du raisonnement, mais parfois il faut peut-être poser les directions de manière claire sur le cadre de la réflexion. Le premier, c'est on a évidemment une accélération phénoménale et technologique et des découvertes scientifiques à toutes les échelles, et on parle d'intégration de systèmes biologie, et évidemment on intègre là-dessus de la cellule jusqu'aux populations et jusqu'aux problématiques de la recherche clinique, mais aussi un changement, et vous le savez, considérable dans la dimension et la précision et du diagnostic et du pronostic avec les outils que nous avons. Et on ne peut pas ignorer évidemment les conséquences et les implications que ces innovations ont au quotidien maintenant, lorsqu'ils sont transférés jusqu'aux soins et au lit du malade, sur les décisions que nous devons prendre et sur surtout l'information que nous devons à la société. Le deuxième point, je dirais, il vient directement du questionnement sociétal qui nous arrive en tant que chercheurs ou institutions et qui rejoint des questions éthiques, et ceci avec le relais que représentent les associations de malades et ou les différents groupements de réflexion dans la société. Et donc il y a une pluralité des visions, une pluralité des points de vue que nous devons prendre en compte et ce qui doivent alimenter ce dialogue permanent entre chercheurs, citoyens, les décideurs politiques. Et ces questions éthiques font évidemment partie de ce dialogue qui est constant. Alors, ces questions sont d'autant plus importantes, le premier ou le deuxième cadre, qu'elles s'adressent à des choses et à des dimensions que nous devons évidemment avoir constamment à l'esprit dans nos démarches scientifiques, c'est-à-dire le respect de la dignité, de l'intégrité et le respect de la vie privée. Mais surtout, et en tant que clinicien, j'ai eu, et surtout dans des problématiques et dans des pathologies particulières, à des moments où on était dans l'inconnu total, à se poser la question sur la qualité du consentement des patients et donc la qualité du consentement que nous recueillons lorsque nous intervenons au niveau jusqu'aux essais cliniques, mais donc aussi à la qualité de l'information qui leur est délivrée et je dirais même s'interroger nous-mêmes sur la qualité de l'information que nous donnons, mais jusqu'au la question que nous nous posons nous-mêmes sur la nécessité ou la pertinence d'une recherche
quand parfois nous sommes dans des situations cliniques où cette recherche est évidemment peu accompagnée de données solides ou scientifiques. Et on a parfois dans des situations cliniques particulières, notamment dans des aspects d'innovation, à se poser ces questions. Alors la richesse des questions, je crois que elle est tout à fait reflétée par le programme de la journée que vous avez prévu, notamment dans un champ déjà source de réflexion et de questionnement important comme la neuroéthique, et donc ce qui va être abordé aujourd'hui, mais aussi sur les avancées des travaux des groupes du comité éthique cet après-midi, notamment sur lorsqu'une information individuelle inattendue est collectée par un patient qui participe à une recherche, dans le cadre d'une recherche clinique, une situation qui est assez fréquente et sur laquelle on est souvent assez démuni. La question évidemment de la recherche sur l'embryon qui va être abordée cet après-midi, surtout au vu des évolutions législatives et de la loi qui autorise la recherche aujourd'hui sur l'embryon. Et puis la problématique du genre, sans avoir besoin de revenir évidemment avec des aspects peut-être différents de tout ce qui a été médiatique ces derniers temps et qui a peut-être détourné des questions qui sont importantes et que celles que vous allez poser. Alors, je souhaite vraiment remercier Hervé d'avoir relancé ces réunions thématiques qui permettront, en dehors des travaux habituels du comité et des groupes de travail, de mettre en place un cadre d'échange et de réflexion sur des aspects thématiques à côté des groupes de travail. Alors, concernant votre mode de fonctionnement, vous avez décidé de produire plus des notes que des avis, c'est-à-dire donc un état de la réflexion sur des questions qui ont pour objectif d'être enrichies au fur et à mesure d'éclairages nouveaux, des avancées scientifiques, et donc des échanges avec les collègues ou avec la société. Et je trouve qu'effectivement, cette démarche est importante. En tout cas, j'y adhère totalement, car elle ne fige absolument pas la réflexion et elle me paraît être tout à fait adaptée à la démarche scientifique. Et donc, les premières notes, d'ailleurs, vont sûrement aujourd'hui susciter un certain nombre de discussions ou de réactions. Alors, mesdames, messieurs, je crois que c'est aujourd'hui ma première intervention en tant que président, directeur général de l'INSERM, mais vous savez, j'ai pris mes fonctions la semaine dernière. Et évidemment, symboliquement, je suis très, très heureux que ce soit dans ce cadre. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de m'adresser à vous par mail ou à l'ensemble des personnels de l'INSERM et pour préciser ou en tout cas informer sur les objectifs que j'entendais présenter ou poursuivre lors de ce mandat. Et un de ces objectifs est tout à fait clairement de renforcer nos liens avec les associations de malades et aussi de remplir notre mission de diffusion et de partage de la culture scientifique. Et donc cet objectif implique que j'aurai évidemment à revenir et à solliciter ou à saisir le comité d'éthique de l'INSERM sur un certain nombre des aspects de la politique qui sera menée, et notamment un des objectifs était de réfléchir à renforcer la recherche technologique qui est aujourd'hui quelque chose, un aspect, un domaine, un champ qui conditionne la performance de la recherche fondamentale, mais qui aussi va jusqu'au dispositif médical et donc au lit du malade et aux soins, et qui pose un certain nombre de questions sur lesquelles vous serez saisis. Et d'ailleurs, il y a un groupe de réflexion sur la technologie au comité d'éthique. Dans les mois à venir, je pense qu'il faut également accélérer la réflexion et l'échange avec les autres instances d'éthique, des autres organismes de recherche qui sont partenaires d'Avisan, l'Alliance des sciences de la vie et de la santé, car effectivement, il n'y a pas une éthique de l'INSERM, une éthique du CNRS ou une éthique de l'Institut Pasteur. Et je crois que je sais que Hervé a entamé déjà cette démarche. Ça sera peut-être difficile, mais dans tous les aspects, dès qu'on essaye de renforcer les partenariats, il faut évidemment bien poser les conditions et être clair sur les objectifs au départ. Et je crois que l'objectif, il est assez clair, c'est qu'il faut améliorer les conditions de la recherche, mais son interaction avec les concitoyens, car on a un objectif, c'est de diminuer la défiance de la société et du public vis-à-vis du progrès scientifique. Et je crois que cette discussion entamée doit se poursuivre, notamment dans le cadre d'Avisan, pour essayer d'offrir au mieux et aux chercheurs et à la société
l'avancée sur la réflexion éthique que l'on doit. Alors, je voudrais conclure sur un point, c'est la manière et que la société a de, et comment la société voit aujourd'hui le travail du chercheur et quelque chose que nous devons prendre en compte puisque cette interaction et ce questionnement que nous renvoie la société, évidemment, doit aussi conditionner notre réflexion. Je l'ai dit, l'INSERM a été assez novateur par les différents comités ou dans son histoire sur la réflexion éthique. Le lien aussi avec les associations de malades ou même un pôle dédié spécifiquement aux expertises collectives ont été importants dans toute l'histoire de la recherche au niveau de l'Institut. Mais la recherche, elle est, comme je le disais, aussi questionnée par la manière dont le public et l'évolution de l'image du chercheur par le public. Et juste vous donner 2-3 informations sur un sondage Ipsos qui a été réalisé par l'INSERM et qui montre bien, qui illustre bien l'évolution des attentes que la société a du chercheur. En fait, le chercheur demeure très haut dans le niveau de confiance que la société a vis-à-vis d'un certain nombre de professions, et ceci dans beaucoup de pays d'Europe, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne et en Italie. Mais ce crédit donné aux chercheurs est assorti de conditions extrêmement claires et précises, en tout cas, à mon avis, beaucoup mieux formulées maintenant que cela l'était peut-être dans les années précédentes, avec une sorte de cahier des charges presque civique qui conditionne le travail du chercheur. C'est-à-dire que la quête de la connaissance ne se conçoit que si elle est responsable, intègre et transparente. Et le sondage montre que le chercheur pour le public doit être en alerte, c'est-à-dire 70% de nos compatriotes estiment qu'il a un rôle d'interpeller l'opinion s'il juge que les travaux scientifiques vont avoir un impact important sur la société. Il doit être indépendant, 66% de nos compatriotes pensent qu'à un moment, le chercheur doit arrêter ou s'il pense que ses recherches peuvent avoir des conséquences négatives sur la société ou sur la santé. Et il doit être distancié par rapport à sa passion de chercheur ou à ses objectifs scientifiques. En d'autres termes, le chercheur doit aussi retrouver pour le public sa fonction et comme s'il l'avait perdue. Mais c'est donc intéressant de le voir de citoyen, c'est-à-dire qu'il y a une éthique de responsabilité du chercheur et que le progrès n'est pas, que la science, l'avancée de la science n'est pas forcément synonyme de progrès et que si progrès il y a, il doit sans doute être légitimé par le fait que son bénéfice est supérieur à son coût, si coût il y a. Donc cela suppose que l'on attend des chercheurs non seulement une exigence en termes de communication, mais aussi son implication dans le débat, dans l'interaction entre les décideurs, la science évidemment, et la société et le politique. Voilà, je voulais livrer ces premières données d'un sondage qui sera diffusé dans ses détails plus largement à votre réflexion. Et je vous remercie encore pour cette invitation et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour ma première intervention à l'INSERM.